Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Castle Story. On se retrouve avec Katox. Salut Katox. Salut. Et donc une fois n'est pas coutume, on enchaîne et on va se prendre direct une vague dans la tronche. J'ai bien l'impression. Ouais, elle va arriver dans une minute. Donc normalement on devrait être bien après ça. Ah, on a toujours pas réussi à faire la porte. C'est quoi le problème avec cette porte là? Il faut des lingots de fer. Ah oui, bah, forcément. Forcément, on n'a pas de lingots de fer. Et on n'a pas masse de minerai de fer. Bah si, il y a quelques lingots là. Ah non, c'est du lingot de cristal, fais chier. Bon, bah on n'a pas de lingots de fer, donc on a une porte ouverte, mais c'est pas grave. Nos vaillants snipers catoxiens devraient gérer, je pense. Bah, on va bientôt le savoir. Ils me font vraiment penser à des soldats de la guerre de sécession avec leurs casquettes bleues. Ouais, c'est des nordistes. Ouais, c'est ça. Donc ici, on est en train de creuser pour faire une petite salle du cristal, mais pour l'instant, visiblement, ils ont autre chose à foutre. N'est-ce pas? Est-ce que ça pop? Ah, là-bas. Ça pop de ton côté. Alors, 9 petits, 9 moyens, et un moyen gros. Ok, pour l'instant je vois que des petits. Ah, ça y est. Il commence à bouger un peu. Et le petit éclaireur qui vient seul là. Ah, il s'arrête un peu plus pour taper sur ces trucs. Il y en a qui font je sais pas quoi. Ah non, je croyais que c'était des. Je croyais qu'ils étaient en train de passer sur ton pont, mais non, c'était propre mec. Ouais, non. Quand même. Ah, il y en a un qui a réussi à passer notre porte. Il y en a deux qui ont réussi à passer notre porte. Mais heureusement, Damned est là. On va l'envoyer taper parce que visiblement, il ne s'en tire pas. Ah, t'as avancé Hertz. Ouais, je l'ai fait pour. Est-ce qu'il va se prendre un coup? Est-ce qu'il va voler? Ah non. Ah non. J'attendais le départ. T'attendais le petit coup. Le petit coup, il y avait le propulsion encore à la traîne, tiens. Oui, je me disais que j'entendais des bruits encore. Je crois qu'il était en train de taper sur ton mur derrière. Là. Ah oui, encore, c'est possible. Ah, ils vont peut-être finir un jour par passer, mais bon, après, ils ont un autre mur, donc bon. Au final. Bah... Ouais, ils ont de quoi s'occuper, je pense. Je m'inquiète pas trop. Ok, bah ça c'est plutôt bien géré. Donc du coup, y a un mec tout seul là. Ah oui non, c'était Gaoui qui passe par là, pardon. Du coup, l'idée que on avait émis, dès que j'aurais retrouvé où est notre camp, c'est-à-dire par là, voilà, c'était de les forcer à passer sur un pont là. Genre on fait un pont et comme ça, si jamais ils sont vraiment trop en nombre, bah on peut essayer de balancer un coup de catapulte sur le pont. Je trouve ça assez bien comme idée, ça me paraît fun. C'est pas bête. En outre, bah c'est une de tes idées. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas bête. Tout à fait. C'est un des travaux de Katox. en plus, là, pour augmenter un peu le challenge, on va essayer de faire en sorte d'avoir plus de vagues. Et donc pour ça, eh ben, il faut qu'on puisse gérer. Alors après la question c'est est-ce que je peux faire un pont? Est-ce qu'il y a moyen de faire un pont aussi? Parce que c'est pas forcément dit hein. Ouais, j'avoue que... Vu qu'il n'y a rien, il y a rien de droit en face là. J'essaie d'inspecter un peu. Si je vois peut-être un endroit. En plus, on peut pas faire un pont super grand. Là il y a moyen mais il passe fugitivement en bleu là. Mais juste derrière, il le recalcule et il passe en rouge, j'ai l'impression. C'est peut-être le lag. On voit qu'il y a peut-être un endroit, je vais tenter de poser un bloc. Ouais, parce qu'en fait, ils sont pas si grands que ça, les ponts qu'on peut faire. Hein. Non. Et non, faire... Non. Ah merde, ça passe pas. Faire des mortaises et tout dans le vide, ça me paraît quand même compliqué. Ah, dommage.
Alors, ce qu'on peut tenter, c'est changer d'autres trucs. Faudrait qu'on leur demande d'enlever ce bloc-là. Comme ça, on pourrait poser des poutres. Et je pense qu'ici, on pourrait après poser le pont là. Ouais, faudrait qu'on leur demande d'enlever aussi ce bloc ici. Allez, on va leur demander de faire ça. On va mettre ça en priorité, cette tâche en priorité maximale. En attendant, est-ce qu'ils arrivent à faire des trucs de. Non, ils n'arrivent pas à faire des trucs de fer, c'est bien triste. Pourtant ils minent, hein, mais. Ils minent, mais ils trouvent pas de choses. Qu'est-ce que tu fais, toi? Putain, je suis en carrière. Legacy. Ah oui, c'est vrai, d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais on accueille effectivement Legacy qui nous rejoint. C'est le seul brick-tron qu'on a réussi à faire. Mais il a l'air de bugger un peu. Non, je vois bouger, moi. Ouais. Bah là je l'ai fait bouger un peu, mais il a l'air de bugger sur la carrière que j'ai faite en dessous les troncs en fait. Faut peut-être essayer de détruire les troncs. Tu peux les détruire comme un bloc. J'essaye de lui faire poser ses trucs déjà, mais il veut pas. Ah non merde, mais je clique sur. Il y a déjà quelque chose non. J'avais pas vu, c'était caché derrière. Ouais. Je peux lui dire de les ramasser les troncs. Qu'est-ce que ça fait? Ok. Ah bah c'est du bois en fait. Ça se transforme en bois. Bah du coup on va faire une tâche de ménage. Planning, récolte, ménage. C'est parti les gars. Hop. Alors du coup ici, ils ont réussi à nettoyer ça. Donc on va leur dire, prenez-moi une mortaise là. Une mortaise là, c'est parti. Oh, ça passe. J'essaye d'agrandir un petit peu l'espace là où j'ai fait les deux trous pour pouvoir poser des planchers et voir si on peut pas construire à cet endroit-là le pont. Je vais m'occuper du pont et tu t'occupes du mur. T'es doué pour les murs, moi je suis doué pour les ponts. En même temps, le pont il se fait tout seul. Alors tout de suite, hein. Oui, après je veux pas dire, mais moi j'en ai fait deux. Dévalorisation de mon travail, quoi. Vous foutez rien encore, les gens, là. En même temps, on n'a plus trop de place où foutre des palettes, hein, faut bien l'avouer, on va en foutre quelques-unes là. Hop là, ils ont l'air de bien galérer quand même. Ouais, si ils arrivent quand même à nettoyer la zone petit à petit, même si c'est pas facile. Cette tâche de construction, on va la passer en priorité max. On va voir ce que ça va donner. Vrai que tes gars, du coup, ils sont obligés de bien faire le tour, hein, pour le coup. Oh, c'est pas grave. Il y a plus gros que le Brickton, enfin le Corruptron, on en a eu 8 là. Non. Non, normalement c'est le plus gros qu'on a eu. Le plus gros, c'est celui qui tire à distance et qui invoque des petits. Ouais, c'est celui-là. Ouais. Donc ouais. Parce qu'il y a un succès qui parle de vaincre le sorcier, je sais pas trop. Bah, peut-être que c'est à la fin d'un certain nombre de vagues, tu vas avoir un boss qui passe peut-être. J'ai jamais été vraiment jusqu'au bout, c'est quand même. Ouais, c'est vrai que ça se trouve à la fin, il y a. Je sais pas s'il y a une fin. À l'époque, il n'y avait pas de fin. Donc c'était vraiment, t'avais des vagues et c'était. Généralement, si t'arrivais à tout tenir, c'était ton PC qui crash, quoi. Parce que tellement il y avait de Corruptron à l'écran. Ouais, ok. Il y avait une vieille technique, c'était la pyramide. Tu faisais une grande pyramide, et en fait, vu que les Corruptrons passent énormément de temps à grimper un bloc,
Ah En oui. fait, le temps qu'ils fassent tout l'escalier, bah tu les arrosais quoi. Je vois l'idée, ouais. Non, c'est pas con. Ah, c'est une strat. Maintenant, je crois qu'ils ont recalculé. Quand ils ont vraiment trop à franchir, ils préfèrent casser. Bon, mais mon pathfinding bug encore un peu, hein. Je suis désolé pour la lenteur du truc. Il y a un mec qui est en train de miner la carrière avec des planches sur le dos, pourquoi pas. Alors ici on a Charles Martel qui est au fond de la carrière et qui ne fait rien. Pourquoi, comment? N'en sait rien, mais en tout cas cette carrière est terminée. On va donc la delete. Et on va en lancer une autre là-bas, je pense. Hop, sachant que la vague arrive bientôt. J'en fais popper deux ou... Ouais, si tu veux. J'essaye de choper ma mine là. Allez, soyons fous. Donc au total, on a 12 tout petits, 18 petits, 2 grands et un très gros. C'est plutôt pas mal, je dirais. Ouais. Voilà, j'ai configuré ça. Donc du coup, oui, l'idée étant de, comme Katox est Lost, il peut complètement forcer des vagues à être invoquées en fait. Ce qui devrait nous permettre de faire des trucs un peu plus fun. Par contre, il va me falloir d'autres arbalétriers parce qu'il n'y a que eux qui arrivent à tirer quand ils restent aussi loin. Oula. C'est en train de creuser la montagne. Un chouïa loin. Ouais. Bon, ok, on va commander des trucs d'arbalétrier. Alors, c'est où déjà? C'est là. Après, on manque tellement de fer que ce sera peut-être Oh pas mon tout de Dieu, il suite. passe par le mur. Ils ont Vite, réussi à trouver. casser ton mur. Non! Bah, en fait, le très gros, il en quelques. Oula, putain la vache, l'archer, comme il perd de la vie quand il se prend une tatane. Regarde le gros quand il se prend une baffe, c'est. Va falloir qu'on envoie les chevaliers, je crois. Allez, Dame Ned, fais le tour. Ah, mais non, mais on peut même pas y aller là, c'est vrai, t'as ton système de repli là. D'ailleurs, il serait peut-être temps de les replier, non? Et un de moi. Non, regarde, ils tiendront. C'est comme le gouffre de Helm. Ils ont même pas eu besoin de se replier sur la deuxième. Hey Damned, plus que ça. Mais j'ai l'impression qu'il regagne de la vie plus vite qu'on lui enlève le mec là. C'est ouf ça. Ah si, ça y est, ça commence à baisser. Les arbres électriques commencent à s'y mettre. C'est marrant d'ailleurs parce que je vois les carreaux qui tournent en l'air pour le toucher. Bien, coriace le Bah barbare. ouais. Carrément. Il faut que je retravaille un petit peu le mur. Voilà. Ah ouais, j'avoue là, ils ont fait un peu mal pour le coup. Voilà. Ça a souffert. Papillote, mon cher, va donc déposer ton truc d'archer là et on va voir si on a. Dans le merdier qui traîne, on n'a pas des trucs. Ah oui, c'est vrai, j'étais en train de faire un escalier pour grimper en haut aussi. J'avais complètement oublié ça. Ouais, ça a l'air d'être complet là, l'équipement d'arbalétrier. Parfait. Papillote, l'arbalétrier est prêt. Bon, bah, deux vagues, ça passe. C'est cool. On va donc refaire une tâche de construction et poser quelques poutres.
Hop. Et quelques planches. Voilà. On va déjà tester comme ça, on va voir ce que ça donne. Attends, des mecs bloqués partout, c'est ridicule. Alors, cette tâche-là, c'était quelle tâche? C'était celle-ci. Ok, donc il fallait qu'on continue notre escalier. Hop. Hop. Est-ce qu'on pourrait faire un petit truc fun, du genre un petit truc qui tourne comme ça? Non. C'est de la merde. On va virer ce bloc là. Ça, on va pas le virer. On va virer ces blocs là et puis on va essayer de faire un petit machin qui fait le tour là, pour rigoler un peu. Petit escalier en colimaçon. Allez, une petite planche là, les gars, s'il vous plaît. Ce serait cool. On a réussi à invoquer un nouveau briqueton, hein, on le renommera le prochain coup. D'ailleurs, faut que je chope comment il s'appelle. C'est pas méga. Je crois que c'est lui. Coach. On a un coach dans la liste. Ouais, on n'a pas de coach dans la liste, donc ça doit être lui. Est-ce que tu peux poser ton pont? Ouais, je vais voir de ce pas. Alors, est-ce que je peux poser un pont? Oui, on peut poser un pont. Et j'aurais même pu me passer de la planche qui est là. Donc là, par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre cette tâche-là plutôt. De construction. Hop là. Allez, c'est parti les gars. Un pont. Je vous commande un pont. Eh mais les mecs, vous foutez de moi là, vous laissez des lingots de fer traîner quoi. On est en déche de lingots de fer et vous laissez des lingots de fer traîner. C'est une blague? Est-ce qu'il n'y a pas quelques lingots de fer à les piquer à Katox? Pas des masses. Eh, il y Un a peu un mec qui beaucoup. attend d'être invoqué chez toi. Je crois que t'étais au max. Non, il ressuscite. Ah, il ressuscite. Ah, d'accord, ok. Ouais. Autant pour moi. Et du coup, tu fais un mur. Ah non, tu casses ton propre mur? Je comprends pas. C'est juste parce que j'ai fait un faux mouvement Ah, dans le mur, d'accord. donc il y a des briques qui sont posées là. Ok. Je me demandais ce que tu faisais, si tu faisais une deuxième protection, un truc du genre. Ça viendra peut-être après. Pour l'instant, tu restes simple. Bon, il y a un mec qui commence à bosser, mais il galère tellement à trouver comment descendre, quoi. J'aurais pas fait d'escalier, je crois qu'ils iraient plus vite, quoi. Ah, là par contre ça lag là. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Coach, tu fais quoi là? J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a un lag, il y a un de mes mecs qui s'arrête de rien faire pendant un moment, quoi. Bon, on est large en soufre, par contre le fer, c'est toujours pas ça. Hein. J'ai plein de minerais chez moi si tu veux en prendre. Ah oui, c'est vrai que J'ai j'ai plus. regardé. T'as pas tort, j'ai regardé les lingots, mais j'ai pas regardé le minerai. Bah écoute, coach, c'est parti, va. Tu On va foutais aller rien. emprunter. Tu vas aller emprunter, voilà exactement. Ah merde, mais le con, il a déjà un sac. Tu vas poser ce que t'as là. Et après tu iras chercher des trucs. Ah ça y est, on a un petit peu de fer qui commence à venir.
Allez, coach. Rends-moi fier. Pille fièrement le truc. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi t'as de nouveau pris 20 de soufre? Quel est le fuck? Voilà, tu poses ce soufre. Merci. Et tu viens me ramasser du fer. Voilà, quand même, c'est pas. C'était pas vraiment la lune, quoi. Je comprends que c'était pas facile, mais quand même. Il a pas été renommé, le pauvre, tu vois, il galère un peu. Ouais, ça, il est jaloux. Ouais, le pont, il rentre un peu dans le sol quand même. C'est pour ça que j'avais fait une planche sur le côté au cas où, mais. Enfin, si ça passe comme ça. Hein. Ça passe comme ça, j'ai envie de dire. Bon, eux, ils creusent. Parfait. Et 20 secondes. Celle-là, je vais mettre une petite priorité supplémentaire aussi parce que. Après, si je mets des priorités supplémentaires partout, forcément, Ouais, ça va pas le faire. c'est plus compliqué, quoi. T'envoies deux vagues? Deux vagues. Je pose la question. Je vais attendre que le mur soit fait. Ouais, tu l'as senti un petit peu de juste là? Bah, après, ça peut se terminer très vite, là, tu sais. Ça y est, c'est arrivé, mais cette fois c'est de mon côté. Ah. Donc mes archers devraient pouvoir faire un peu le taf. Alors ils s'arrêtent, je ne sais pas pourquoi. Ils doivent calculer un peu ce qui se passe. Ouais. Ils attaquent mon mur de 1. T'es sûr qu'ils jettent pas des projectiles? J'ai l'impression qu'ils jettent des projectiles sur tes mecs. Ah, c'est possible. Ah oui, non, le gros il attaque ton mur, effectivement. Il a décidé Ouais. d'aller là où il y avait deux pour attaquer, quoi. Ouais, ça. Ouais, il tabasse hein, quand même, le gros. Ouais, c'est vrai qu'en quoi, 4 ou 5 coups, il te bute un mur, hein. La vache. Ouais, ça. Coriace, le barbare. Ah, je crois que t'as fait de la merde, Kerian, là. Non, c'est bon. La vache. Comme il a eu chaud aux fesses, le Kerian, là. Non, tout juste, hein. Ok, bah y a deux petits péons qui traînent là-bas, ils vont être très vite terminés. Ah, il a laissé échapper ses planches pour courir partout là. C'est ses planches qui se sont sacrifiées à sa place, mais c'était tendu quand même. Quoi, fuyons. Coach, coach, viens là, viens, juste toi, voilà. Tu vas retourner chercher un petit peu de minerai de fer. Puis je vais vérifier que t'en prends d'ailleurs, parce que. Pas convaincu à 100% pour être tout à fait honnête. C'est marrant, ils prennent pas le tunnel, hein, ils font le tour. Il est fini ton tunnel? Est-ce qu'il aboutit? Ah ouais, il prend du minerai, bah parfait. Ça lague un peu, c'est que t'as déco ou t'es toujours Non, là? non, 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 t'es toujours toujours là. là. Parfait. Non, c'est peut-être parce que c'est en train de faire disparaître le reste des blocs. C'est tout ce que je veux dire. Non, pas particulièrement, mais. Et tu vois, quand ils éclatent, t'as plein de petites pierres Ah par oui, terre qui ont les corps autour. de petites pierres, ouais, ok, ouais. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Bon, bah on commence à avoir quelques réserves de tourelles, donc s'ils pouvaient aller faire des trucs ici, ce serait cool. Bon, là, ils vont commencer à faire le tour par cet endroit-là, et ça me fait un peu chier, par contre. Donc, je pense que. Le pont, il progresse plus. Ouais, ils arrivent, c'est loin. Hein.
pense que ce qu'on va faire ici. Ça vaut bien le coup de faire un truc comme ça. Ouais, non, c'est moche ça. Faire ça comme ça plutôt. Histoire d'éviter qu'il grimpe directement sur le mur pour venir. Ok, bah du coup, on va arrêter l'épisode là avant la prochaine vague, j'ai envie de dire. Un petit épisode tranquille, hein. Tranquille, Ouais. tranquille. Bon, on a quand même J'espère un qu'il petit vous moment, je aura crois. plu. Oh bah ça va, ils ont un peu entamé ta première ligne de défense. Pas comme s'il y en avait une deuxième et une troisième derrière, quoi. Mais t'as perdu quelqu'un quand même, c'est vrai que ça faisait longtemps. Ouais. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.